qu'Axel est parti en coulisses, Florent Pagny et Pierre vont pouvoir répéter leur duo en toute discrétion. Bonjour messieurs. Bonjour. Ah oui, Pierre. Enchanté. Bonjour jeune homme. Ça va bah, super, et vous? Très bien, très bien. Ouais. Avec toi, je chante à la jeune femme. Ouais, c'est ça. Très bien. Ça. On commence par ça en répétition. Ouais, je crois que c'est ça. Alors faut faire attention, faut pas que le prompteur aille trop vite parce qu'il va se perdre un petit peu et puis moi aussi des fois parce que j'en ai besoin. Donc faut vraiment que le prompteur il nous attende bien hein, et qu'il aille pas trop vite. Ah, les répétitions avec Florent c'est un peu dur, j'avoue. Je pensais que la connaître mieux que ça. De tête parce que j'ai pas pu la réviser la chanson et là je me rends compte que j'ai beaucoup d'erreurs donc c'est impressionnant en plus de le voir donc il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent. Faut que je me reconcentre et que je la refasse plusieurs fois et ça va aller. C'est fait celle-là que je me suis pris plus tôt. Ok, et donc là, et jusqu'au bout de force, trois recours de son écorce, vos plaies les plus profondes, trois, quatre, puis un jour une femme. Voilà, ça c'est bien. Ah bah c'est toi, parfait. Vas-y, ça te dit qu'on la fasse une fois? Vas-y. Viens, on prend un écouteur. Ah, un écouteur chacun. Ouais, chacun, ouais. Oh, why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. Oh, I'll stand by you. On descend du coup. On descend. I'll stand by you là. Allez, oublie pas le dernier Nobody Hurt You, tu le fais grave un peu en retard genre. Ah ouais? Ouais. Mais parce que en fait, nos phrases elles s'enchaînent. Okay. Ça fait Ah non. Attends, tu vois, t'as pris ta corde de spécialité. Ouais, c'est le truc de la bataille. Putain, on dirait un ring de boxe. Get. Hein? Comment ça rend? Ça va, un vrai ring. Enfin, ring de anneau, tu vois. Oui, ça fait ring de boxe, vraiment. Ouais. Y a Clara. Ah, c'est ouf. Ça va être hyper stylé. Moi, je vais chanter Honey Girl de Rihanna. Donc, pour mettre le fuego à la piste de danse. C'est toi qui vas mettre le feu. C'est moi qui mets le fuego ce soir. Et Julien, il va être dans l'interprétation, dans la sensibilité, dans la voix, quoi, tout simplement, finalement. Tu vas interpréter quoi, Julien? Je vais interpréter Ces gens-là de Jacques Brel. C'est une chanson qui te parle, on se touche. Je pense que c'est la chanson que je préfère dans le monde entier. C'est fort. Donc, ouais, elle me parle beaucoup. Allez, venez. Donc, on sera pas. Ah, ok, d'accord, faut être ghetto en robe, ça va être. Salut. Coucou, ça va? En fait, on coupe le son partout là pour pas que les autres entendent, puisque c'est des battles, ils connaissent pas leur chanson. C'est pour pas qu'ils entendent par hasard la chanson que l'autre a choisie. C'est pour ça qu'on coupe le son sur le plateau et dans les. Voilà. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être. Et si c'est pas sûr, c'est quand même. Est-ce que les autres veulent pas? Est-ce que les autres veulent pas? Want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Que la rythmique elle arrive après. Ouais. Comme tu la regardes au début. Okay. Là, ça peut être un peu plus sexy, machin, etc. Okay. Mais après, quand tu vas là, toi, ton truc de battle, c'est d'ambiancer le public, okay. Tu vois. Oui, c'est vrai, t'as raison. Si tu vas les voir et tu vas faire, tiens, toi. Ouais. C'est cool parce qu'on répète dans le secret, on répète mais pas trop. Dès qu'on termine, on doit vite enlever nos ears parce que les filles arrivent, on doit pas entendre leur chanson, elles doivent pas entendre la nôtre. Enfin, il y a tout ce truc de, on a réussi à tenir le secret jusqu'au bout et on est assez fiers. Puis on se dit, ok, ce soir en fait ça va être un truc de fou. On a l'impression d'être sur un ring de boxe mais avec la voix. Donc finalement nouveau concept plutôt cool. Moi je valide. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous aimez la Starac, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. À très vite.